ça y est, nous avons dépassé les 3000 abonnés, 3000, plus de 40, voilà, donc je suis très contente. Ça fait 4 ans que je suis sur YouTube. C'est vrai que il y a des youtubeuses qui arrivent et qui prennent leur envol et qui dépassent tel et tel abonné, le nombre d'abonnés, mais non, moi je ne suis pas là pour avoir des abonnés. C'est vrai que ça fait ça fait énormément plaisir, hein. Je vous dis pas le contraire, hein. Je me souviens de mes 50 abonnés, je vous en ai déjà parlé, surtout qu'il y avait des youtubeuses, Chloe Makeup Addict, qui est un peu moins présente sur la toile, et notre Nini, Nicole Tonnel, notre youtubeuse majuscule, et avec qui on est toujours en contact, et depuis 4 ans, enfin voilà, c'est vraiment génial. J'ai vécu beaucoup de choses vraiment très positives sur ma chaîne. Vraiment, vraiment, j'ai fait de belles rencontres. Et je retiens vraiment que le meilleur, c'est ce qu'il faut retenir, que le meilleur, c'était vraiment génial. Enfin, cette aventure est vraiment géniale. Comme pour moi, vous le savez, c'est vrai que j'aurais souhaité être maquilleuse professionnelle et mon chemin, parcours scolaire, en a pris un autre chemin. Et au final, je me retrouve dans cette passion là que pour passer du bon moment. Alors c'est vrai, quand je suis arrivée sur YouTube, je connaissais pas du tout, hein, comme beaucoup, parce qu'il y en a certaines, c'est les abonnés ensuite qui deviennent youtubeuses, mais moi par contre j'ai été tout de suite youtubeuse. J'ai découvert la Glossy Box avec Sweet Tooney, et ensuite j'ai été voir ses vidéos et je me suis dit bah pourquoi pas moi, et ça me plaisait bien ce qu'elle faisait, et puis je me suis lancée avec la webcam. Et voilà, et c'est une super belle aventure, et ça grandit. Après j'ai créé mon concept Lundi viens boire un café avec moi, et on est de plus en plus nombreuses le lundi. Au travers de mes vidéos, quelquefois je vous fais des vidéos haul, des vidéos produits finis, j'essaie de faire beaucoup de tutos parce que c'est génial, ça prend aussi forme. J'ai pas la prétention d'être maquilleuse artistique, mais ma technique elle a évolué aussi grâce à YouTube. C'est ce que j'aime faire le plus. Après, le maquillage artistique, c'est vrai que j'en ai fait peut-être une ou deux fois, et c'est quelque chose que j'adore, mais que vous savez, hein, je vous en ai déjà parlé dans les lundis, où j'ai du mal à me lancer. Peut-être que ça viendra, un de ces quatre, hein. J'en ai fait un que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. J'ai fait une collaboration avec une amie à moi, Nasta Makeup. Vous avez la vidéo sur ma chaîne, sur le thème féerique. Donc voilà, donc c'est que du positif. Et là, je me suis dit, bah 3000, waouh, il y a 3000 personnes sur ma chaîne. C'est génial, quoi. Enfin, pour moi, j'ai pas besoin de plus. Tout ce que je veux, c'est de la qualité, on va dire. C'est pas la quantité. C'est vrai que ça fait énormément plaisir, la quantité. Et je veux dire que partager des moments avec chaque abonné intime, et qu'on apprend plus à se connaître, parce que bon, bien sûr ça reste que du virtuel, et ça reste que du virtuel, du coup c'est vrai qu'on crée des liens, et c'est une petite communauté, je vous appelle les smilettes, et vous êtes je vous dis de plus en plus nombreuses à venir les lundis et à vous sentir bien, et ce qui est vraiment bien. Et on a besoin d'un endroit où se sentir bien. Moi je sais que au travers certaines youtubeuses, j'aime bien m'y retrouver. Comme je vous ai dit, il y a DJ, il y a Loka, il y a Laureline79. J'aime bien aussi aller me retrouver chez Gracia, j'aime bien aller me retrouver chez Orto. Voilà, c'est des personnes où j'aime bien aller. Aller me réfugier, on va dire, quand il y a un coup de mou, même si je regarde tout le temps leurs vidéos. Après, dans les tutoriels make-up, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeuses françaises qui en font. Donc il y a Ludivinetube, je suis vraiment fan d'elle. Elle s'appelait Ludivine Privé à un moment donné, mais c'est Ludivinetube depuis ses débuts, où ouais, le montage de ses vidéos, la qualité de ses maquillages, les maquilleuses pro, on le sent, c'est vraiment topissime. On apprend énormément de choses et c'est vraiment trop beau. Il y a le groupe Face to Face aussi, que j'aime beaucoup regarder, Emilie et Alexandre, et puis Alicia. Mais là j'ai un trou. Si Alicia me regarde, elle me tue. Et il y en a encore bien d'autres, des vidéos où j'aime bien me réfugier. Donc quand vous me dites qu'on attend ta vidéo du lundi avec impatience, en fait la vidéo du lundi, vous me la promenez toute la semaine, j'ai des commentaires toute la semaine, et c'est vraiment génial. C'est vraiment les vidéos que j'ai beaucoup plus de vues. Alors je comprends bien que c'est vrai que
Les vidéos vlog, c'est un peu comme une vidéo vlog, hein, j'en fais pas spécialement, je vais vlogger plus sur Snapchat, on va dire, maintenant. Voilà, donc, et c'est vrai que bah, au fil du temps, on se sent plus à l'aise devant la caméra, on se sent mieux, donc on se libère et on parle aussi des choses de la vie courante, des choses que ça touche tout le monde. Et puis à côté de ça, bah, je vous fais des retours de produits ou des petits produits des fois que j'achète parce que je suis pas quelqu'un qui va consommer. Je consomme aussi bien du luxe façon de parler que du moins luxe et je suis beaucoup plus dans le moins luxe en fait, ce qui est accessible à tout le monde aussi. Voilà, donc c'est vrai que on se retrouve et je me suis dit ben je veux marquer le coup pour ces 3000 abonnés, sachant que ben j'aurais aimé gâter vraiment ben, chacune d'entre vous de tout ce que vous m'apportez, mais je ne peux pas. Donc ça va être un lot, je vais pas en faire plusieurs, ça va être un lot via tirage au sort random, voilà, parce que je ne veux pas, je ne pourrais pas tirer au sort. Et comme je vous ai dit, ça serait que moi, ça serait vraiment tout le monde pour vous remercier. Mais malheureusement, je n'ai pas épousé le prince. Donc c'est pas possible, mais je tenais quand même à marquer le coup et surtout marquer le coup, mais vous dire vraiment un grand merci pour tout ce que vous m'apportez. Je ne sais pas jusqu'à quand je continuerai ma chaîne, je ne sais pas du tout. Il y a des fois, il y a des décisions qu'on doit prendre dans la vie comme ça du jour au lendemain. Et voilà, donc je sais pas, donc pour le moment je suis avec vous et on partage beaucoup de choses ensemble sur tous mes réseaux qui se trouvent en barre d'infos, je fais de la pub hein, en barre d'infos, avec les codes promo, avec tout ça, je fais la youtubeuse là, hein. Vous pouvez aller sur Igral. Donc voilà, en tout cas, bon, moi je passe vraiment de bons moments et c'est vraiment génial tout ce que vous m'apportez et c'est le top quoi, c'est vraiment le top. Et je pense que faut pas se prendre la tête et faut essayer de pas se la prendre. Et quand on a une passion comme celle-ci, je pense qu'il faut vivre cette passion et pas aller voir ce qu'il y a à l'extérieur qui peut être nocif pour nous et nous apporter de mauvaises ondes. Vivre que le bon, prendre que le bon. Et c'est ce que j'essaye de faire et de vous apporter. Allez, c'est parti. Donc, vous attendez pas à voir non plus l'eau méga génial et tout, hein, parce que, ben, comme vous savez, hein, ma situation, je fais ce que je peux avec les moyens que je peux. Donc, j'ai quand même mis quelques produits qui me tiennent à cœur que j'aime bien. Alors, déjà, je vais prendre des produits que honnêtement j'ai eu là dans une dernière box et j'ai pas envie de les mettre ailleurs hein, donc je vous les mets mais voilà parce que j'ai pas envie que ça parte puis bon ma maman je pense pas qu'elle se serve de ça donc je préfère les mettre dans le lot. Je n'ai pas fait l'ouverture de la Birchbox, je l'avais fait mais j'ai complètement effacé la vidéo donc vous avez dû la voir. C'est, là on avait le 3 minutes miracle mais je le connais déjà donc je vais le mettre. On a une crème main qui a un petit, je sais pas ce qu'elles sont, on a un petit blister, voilà. J'ai un vernis Ciaté Mini qui se présente comme ça, un peu parme, violet, c'est pas trop mes teintes non plus, donc je préfère vous le mettre. Ensuite, je vous avais dit que je vous mettrais la maison Sabé Maçon, je vous ai fait une vidéo dessus. Et il y avait des échantillons et du coup j'avais dit que celui-ci, il y en a trois dedans qui se présentent comme ça. C'est des parfums solides que je vous les mettrai pour vous faire découvrir. Donc l'une d'entre vous malheureusement. Ensuite, un parfum que j'ai pris qui est pour moi, alors j'aime beaucoup les parfums. J'ai des parfums qui sont vraiment comme La Vie est Belle, Alien, Black Opium. La Narciso Rodriguez, je vous ai fait suer avec le parfum de chez Rocher, ça y est j'ai un trou de mémoire, bref. Mais il y a un parfum que je rachète tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un dupe de, je crois que c'est Coco Mademoiselle ou Miss Dior Chérie, je sais plus. C'est dupe qu'on retrouve chez Lidl et c'est un parfum que je mets tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, que j'adore et ma fille aussi. Donc je tenais aussi à vous le mettre. Ensuite, mon soin cocooning au beurre de karité à la vanille, je vous en avais déjà parlé, j'en avais acheté deux, l'autre je me souviens plus c'était à quoi mais j'avais pas aimé. Et lui j'aimais bien l'odeur et en plus c'est pour tout type de peau. Donc voilà, la gagnante comme je connais pas sa peau. J'ai rien pris au niveau teint parce que je sais pas, hein, c'est pas évident. Ensuite, pareil, j'avais eu dans d'autres
dans d'autres, bon, ça c'est des rajouts, hein, ça compte pas du tout. C'est dans la Beautiful Box. C'est trois. Il y a deux vernis que je me servirai pas, donc autant que ça serve à la gagnante. Et une paire de boucles d'oreilles comme ça, je me servirai pas non plus. Voilà. Ensuite, je vous ai pris, c'est une crème pour les mains de chez Yves Rocher à l'arnica, que moi j'aime beaucoup. Et elle est vraiment douce, elle pénètre bien, elle nourrit bien. Alors bien sûr, cette crème-là, c'est pour moi une crème au niveau, on va dire, d'entretien. Faut pas avoir non plus les mains abîmées, pleines de crevasses et tout ça, parce que ben, ça va pas vous réparer les mains, c'est pas assez fort. C'est vraiment une crème d'entretien, vous regardez votre petite télé le soir, hop, vous appliquez. Donc voilà. Ensuite, je vous ai pris le mascara, que pour moi ça a été une découverte, hein. J'avais pu le tester grâce à Octoly et la marque Sergio Alvarez, donc du coup ils me l'ont envoyé, c'est le mascara Air Evolution. Il est vraiment top, vous avez aussi une vidéo sur le crash test. Moi c'est un mascara que j'aime, je vous conseille d'aller voir ma vidéo et vous allez voir comment il s'applique, parce qu'en fait il faut le mettre sur les cils et ensuite on les remonte et ça vous fait des cils mais vraiment génial. Si je veux me maquiller que les cils, je prends ce mascara là et je sais que s'il y a une vente privée, je l'avais acheté sur la vente privée, hein, parce qu'il coûte autour de 20 euros, ouais 20 euros, et je sais que j'en rachèterai. D'ailleurs j'en avais pris deux, un pour moi et un pour vous, et il est vraiment top. Ensuite on va retrouver, je voulais donc vous faire, je vous ai fait des revues sur ma chaîne, c'est des palettes où bah, je suis en fait contente de vous les avoir pris, de Max & More, hein, de chez Action. Il y a la nude qui a été gagnée par une abonnée de Instagram. C'est GG, je crois, ouais, j'ai fait un concours via Instagram et c'est vraiment pour moi un peu le dupe de la Naked 1. Pour le prix, franchement, enfin excellent, les fards, j'ai rien à dire. Vous avez des revues, une revue, et vous avez aussi un tuto. Avec, je vous ai pris deux palettes que je regrette pas non plus. Je vous ai fait des revues, je vous ai expliqué comment s'en servir. J'ai vu récemment Loulou qui avait aussi acheté quelques produits Max & More donc chez Action et qui voulait s'en rendre compte. Et pareil, elle trouvait comme moi les fards vraiment mais topissimes. Donc je vous ai pris deux palettes, mais vous les avez vus, hein, ils doivent être sur ma chaîne. Et ils sont vraiment top, top, top. Ensuite, je vous ai pris un petit carnet, c'est un peu holographique et c'est des fleurs. Donc regardez, hop, ça bouge. On a toujours besoin de ça et moi je m'en sers. Il est où le mien? Il est là. Donc moi c'était un petit aigre. Hop. Et là c'est des fleurs. Pas évident, hein, de choisir quelque chose d'un peu neutre. Pendant les soldes, je savais que j'allais faire mon concours donc des 3000 abonnés. Donc cette palette, c'est la dernière édition de Noël. La palette de maquillage yeux éteint niche Come True de Sephora. Donc je vais vous montrer. Elle est vraiment belle. Hein. C'est féerique. Hein. Je fais attention de ne pas la péter, ça me ferait mal au cœur quand même. Les couleurs sont trop belles. Vous avez un blush, un highlight, peut-être contouring ou blush, celui-là, puis les fards, ils sont vraiment top. Quoi. Voilà. Il y a une petite palette de chez BH Cosmétiques. J'avais pas le carton, mais comme c'est neuf, c'est pas facile. Hein. Que je vous mets dedans. Du scotch. C'est des teintes aussi que j'adore. Hein. Je suis vraiment contente de ce site de chez BH Cosmétiques. Ils ont vraiment des fards, mais les palettes que j'ai pris là, elles sont vraiment, vraiment, vraiment top. Hein. Je vous ai pris, si vous vous souvenez, comment ça s'appelait, j'avais fait un partenariat, j'avais acheté des produits, elle vous avait offert des produits, c'est un site de bijoux, Chapristi, voilà. Et là, du coup, je vous ai pris, donc j'ai redemandé, voilà, donc le porte-clés, comme ceci, de Beauty Addict. Bon, ça, hein, les filles, on est un petit peu toutes Beauty Addict, hein, donc voilà, avec la tour Eiffel. Hop, petit sachet d'or comme ça. Ensuite, je ne l'ai pas. J'ai pas fait de revue, je crois, mais je me
Pareil, Madison Moore, je crois pas que je l'ai utilisé. Je m'en souviens plus. Le mascara, puis un eyeliner liquide, crayon. Donc je crois pas que je l'ai fait sur ma chaîne, ça. Donc je vous ai pris ça aussi. Et la dernière chose, sachant que je pourrais remettre d'autres choses sans moi à venir dedans, des échantillons, des petites choses. Vous savez que j'adore le coloriage et je vous en avais parlé. Je vous ai pris un mandala avec les crayons en grande boîte. Voilà. Donc c'est petit peu, hein, j'aurais voulu faire beaucoup plus, mais bon voilà, je voulais simplement marquer coup. Alors maintenant on va parler des conditions. Les conditions, vous savez que monsieur YouTube il écoute tout, là il va avoir 3000 abonnés concours, donc du coup il va aller voir ma vidéo. Et ben monsieur YouTube, t'inquiète pas, on va faire autrement mon gars. Donc vous avez une adresse mail en barre d'infos, vous m'envoyez simplement un mail. Pensez bien à me mettre votre adresse mail parce que je ne reviendrai pas vous contacter pour vous demander votre adresse postale. Je ne viendrai pas vous recontacter pour vous dire ben, tu me donnes ton adresse postale, c'est toi qui as gagné. Non, 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 non. Donc dans le mail, simplement donc vous envoyez à l'adresse mail votre mail à vous en me mettant ce que vous aimez bien voir sur ma chaîne et ce que vous aimeriez bien voir peut-être de nouveau aussi sur ma chaîne. Pas, je vous dis une connerie, moi, comment faire un gâteau. Enfin voilà, une connerie. Donc du coup, ça, qu'est-ce que vous aimez bien sur ma chaîne et qu'est-ce que vous aimeriez bien voir. Et ensuite, vous mettez bien votre adresse mail et ça sera random qui tirera au sort. Donc, par rapport à la date où je poste cette vidéo, je pense que je vais laisser quand même pas mal de temps... que tout le monde voie cette vidéo parce que c'est vrai on n'est pas toutes sur YouTube donc je pense que oh là là au niveau de la date combien de temps je vous laisserai ça je sais même pas en fait je vous le mettrai en barre d'infos parce que là au moment où je tourne la vidéo je n'ai pas vraiment réfléchi à ça mais je pense quand même la laisser au moins facile 15 jours donc à la sortie de cette vidéo pendant 15 jours mais je vous mettrai la date en barre d'infos, je vous mettrai les conditions bien sûr en barre d'infos. En tout cas je vous remercie vraiment pour tout ce que vous m'apportez et ben, peut-être qu'on se retrouvera dans 3000 donc ça fera 6000, on verra bien et peut-être je ne serai plus là. On sait pas. Je vous fais plein de gros bisous et en tout cas, je vous remercie pour tout. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and